Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc voilà, les petits chaussons à faire soi-même à la maison. Ils sont tout doux, très agréables à porter, avec une petite montée pour monter sur la cheville, adaptable à toutes les pointures, hein, donc c'est vraiment top. Et en plus, si vous voulez, en dessous, vous pouvez mettre de la colle antidérapante pour éviter de glisser dans la maison. Voilà. Donc c'est super pratique, super confortable. Franchement, voilà, là c'est pour une taille 43, vous voyez, c'est assez grand, c'est extensible, hein, donc voilà, vous pouvez faire 43-45, je pense, avec cette taille-là. Et bah, voilà. Donc on va faire ça aujourd'hui. Donc voilà, à tout de suite. Donc pour réaliser ces chaussons, bah, il vous faut bien sûr de la laine. Donc moi j'ai pris la laine de chez Action, la Velvet, là. Celle-ci, vous voyez, donc en bleu ou en vert ou en noir, comme vous voulez. Moi, je vous la fais en vert. Il y a 300 grammes pour 100% polyester. Se crochette en 6 ou 7. Donc, moi, j'ai pris un crochet de 6. Donc, beaucoup plus pratique. Et vous faudra peut-être un marqueur, une paire de ciseaux et une aiguille à coudre. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite ça. Et puis, c'est tout. Voilà, à tout de suite. Donc, pour commencer, on prend notre crochet numéro 6, on va faire un nœud coulant. Voilà. Vous le faites comme vous voulez. Hop. Et là, on va faire deux mailles en l'air. Donc, vous les faites assez larges. Une et deux. Dans cette première maille en l'air, là, vous voyez la première et la deuxième. Première et deuxième. Là, on va faire 8 mailles serrées, donc vous passez à travers, cherchez votre fil, vous ramenez et vous faites et vous fermez. Donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et la huitième. Voilà, donc on a fait 8 mailles serrées. Dans ces 8 mailles serrées, on va faire des augmentations, bien sûr. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille qu'on a fait tout à l'heure. Donc on est reparti. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on est parti. Donc vous n'avez pas besoin de marqueur, hein. Vous faites 8 mailles serrées, 2 dans chaque maille serrée, donc vous devez en avoir 16 à la fin. 2, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et la 16e. Voilà, ça c'est notre deuxième rang. Voilà. Après, on va faire le rang suivant. On va faire deux mailles serrées. Une et deux, une maille serrée dans la suivante, deux mailles serrées, une et deux, une maille serrée, une et deux, et vous continuez à faire ça tout le long, même si vous dépassez, vous devez en avoir 29. Alors on se retrouve à 29. Les 29 sont faites, donc vous voyez, j'ai même dépassé mon rang, hein, du démarrage. Je vois parce que j'ai un plus gros trou là. Donc voilà, je sais même pas pourquoi j'ai un trou là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quand vous allez resserrer, ça va se resserrer avec. Donc 29. Donc maintenant, on va faire une maille serrée tout le long et on va monter 19 rangs au total. Donc vous comptez bien partir du premier 1, 2, 3, 4 et vous en faites 19.
Donc ça va monter comme ça. Vous allez voir, vous allez faire. Là, on vient de faire, regardez, 1, 2, 3. Et là, on va monter les 19 rangs au total. Donc on se retrouve, vous faites une maille serrée tout le long jusqu'à la fin du 19e rang. Et on se retrouve au 20e. Donc vous faites une maille serrée tout le long. Et vous comptez vos rangs. Donc voilà. Allez, on se retrouve au 19e rang. Donc voilà, j'ai fait les 19 rangs. Donc pour compter vos rangs, vous prenez à partir du 0, vous voyez la petite boursouflure là, donc vous comptez chaque rang. Donc boursouflure, mettez votre main dedans pour voir le rang. Donc chaque trait comme ça fait un rang. Donc voilà, 19 rangs. Maintenant, on va commencer à faire le derrière du chausson. Donc si vous voulez que ça soit plus serré, vous êtes vous savez quand on fait les 29 là, vous arrêtez à 24, 20, c'est vous qui voyez l'épaisseur du chausson. Donc voilà. Donc là, on va faire une maille en l'air, on va tourner et on va faire 20 mailles serrées. Donc vous les comptez. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on continue jusqu'à 20. Donc voilà, moi j'en ai fait 22 parce que je voudrais que ça soit bien serré ici. Donc surtout vous prenez un multiple de 2. Donc si vous voulez que ça soit plus large, vous mettez 20 ou 18, c'est vous qui choisissez, mais plus c'est serré et plus ça tiendra au pied. Donc là, on va faire une maille en l'air, on tourne son travail et on est reparti pour faire les 22 ou les 20 comme vous voulez. Donc vous les comptez, vous continuez comme ça sur 10 rangs au total et on se retrouve à la fin des 10 rangs. Donc arrivé au 22e pour moi ou 20 pour vous. On fait toujours une maille en l'air, on tourne son travail et on est reparti dans la première, hein. Tout de suite la première qui est là. Et là, on recalcule pour nous faire nos 22. Vous faites ça tout le long sur 10 rangs. Voilà, on est parti. Tout à l'heure. Donc voilà, nous sommes arrivés au bout des 10 rangs. Donc vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Voilà, les 10 rangs. Donc là, on va faire une maille en l'air, on va compter comme moi j'en ai fait 22, donc on va faire la moitié, ça fait 11. Si vous avez fait 20, la moitié c'est 10, donc on va faire 10 mailles serrées, 11 pour moi et 10 pour vous. 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10 et 11. On tire un petit peu. Là, on va prendre, vous voyez, on a fait la moitié. Là, on prend notre chausson qu'on va fermer. Voilà. Donc, on prend le debout. Et on va fermer notre chausson. Donc on passe à travers. On va le faire dans ce sens-là. Donc on va passer à travers. On va faire des mailles coulées. Donc vous prenez à travers, vous ramenez. Hop. De l'autre côté, hop, et vous repassez à travers. On fait comme ça tout le long. Hop.
pour la dernière. Hop. Voilà. Après, nous allons faire une maille serrée tout autour du chausson. Donc, vous voyez, il est fermé. Donc ça, c'est l'intérieur. Donc vous inquiétez pas, on va le retourner après. Donc là, on va faire une maille serrée tout le long pour la finition. Alors c'est le moment que si vous voulez vous arrêtez là, vous arrêtez là. Si vous voulez monter un petit peu plus haut pour que ça fasse un rebord comme moi j'ai fait, vous voyez, j'ai monté 3 rangs pour que ça fasse un petit rebord. C'est vous qui choisissez. Après, si vous voulez mettre de la moumoute aussi, vous pouvez, vous savez, la laine un peu à fausse fourrure, c'est le moment. Donc là, on va faire des mailles serrées tout le long. Donc vous piquez. Déjà, hop, on serre bien. On va faire une maille serrée. Vous piquez dans chaque rebord. Hop. Chaque trou que vous pouvez. Vous faites ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin. De l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait tout le long, vous voyez, ça fait plus propre, plus joli. Donc moi, je vais remonter 2 rangs en plus pour faire mes 3 rangs, pour être un petit peu en hauteur. Donc je continue, je reprends les mêmes mailles que j'ai fait tout à l'heure, et je continue à monter. Donc je vais faire 2 rangs et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fini, j'ai fait mes 3 petits rangs plus supplémentaires. Donc vous voyez, ça fait un petit rebord qui tiendra mieux à la cheville. Donc là, on arrive au bout, on va pouvoir couper. On finit par une maille coulée. On va couper notre fil. Hop, j'y arrive. Donc voilà, j'ai fini. Donc j'ai fait mon petit rebord. J'ai fait 3 rangs supplémentaires de maille serrée pour faire un petit rebord. Donc voilà, donc là j'ai fini par une maille coulée que j'ai coupée et vous tirez le fil pour faire un petit nœud, vous serrez. Et là on va passer notre aiguille, notre fil pardon, derrière pour la finition. Alors par contre, j'ai peut-être pas pris l'aiguille assez grosse. Ça y est, j'y suis arrivée. Donc on prend notre fil. Vous voyez, on passe derrière. N'hésitez pas à le passer le plus loin possible. Hop. Plus traîner plus, pas comme moi je viens de faire. Hein. Vous en mettez une bonne longueur et puis après vous coupez. Hop. Voilà. Vous tendez. Vous voyez la couture, ça fait joli. Hein. Donc vous coupez votre fil. Hop. Voilà. Là c'est pareil, vous resserrez. On passe aussi à travers le chausson, on va faire un nœud. Et voilà, on fait pareil, on rentre le fil. Et là, on retourne le chausson. Et voilà, votre chausson est fini. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, à vous de choisir. Donc, comme je vous ai dit, si vous voulez plus serré ici, que ce soit plus serré, vous faites pas 29, vous en faites 24, 26, 25, 20, enfin c'est vous qui choisissez. Toujours 19 rangs, vous calculez l'appareil 19 rangs, si vous voulez moins, bah vous faites moins. Là c'est pareil, ça dépend de la taille du pied que vous voulez. Là je dirais plutôt une taille un peu plus petite que l'autre, vous voyez. La différence, donc là c'est 43, là on va dire 40 à peu près. Donc vous prenez les mesures, vous faites comme vous voulez. La hauteur, la largeur, c'est vous qui choisissez. Et puis après, pensez à acheter la colle
sur Amazon, j'ai vu qu'ils en vendaient la colle anti-dérapage pour mettre, si vous voulez, en dessous. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Donc, il faut en faire deux. Donc, à la suite pour le deuxième. Et je vous retrouve très très bientôt pour un nouveau tuto. Donc, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. J'espère que ça vous plaît, les tutos. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous remercie à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Allez, merci encore beaucoup.